le 296 avait pour mission d'organiser et fortifier à nouveau nos positions. La tranchée que notre compagnie venait d'occuper était à peu près à mi-pente. Ce n'était en réalité qu'un mauvais boyau creusé en une nuit par des troupes qui s'étaient accrochées là et qui le lendemain y avaient été écrasées par les marmites. Après une prodigieuse dépense de projectiles, ces deux régiments se portèrent en avant et reconquirent, ou plutôt réoccupèrent simplement la position perdue, car les Allemands s'étaient retirés dans leur ligne sans attendre le choc. Ce qui ne veut pas dire que la perte n'ait pas été très élevée de notre part. Là, de la chair humaine avait été broyée, déchiqueté, aux endroits où la terre avait bu du sang des azaïmes de mouches tourbillonnées. Pourtant, on ne voyait pas de cadavres, mais on divinait leur présence, cachée sans doute dans des trous des obus, proches avec un peu de terre dessus, par des relents de chair corrompue. Partout des débris de toutes sortes, fusils brisés, sacs éventrés, d'où s'échappaient des lettres tendres et de chers souvenirs conservés précieusement, et que le vent dispersait, bouillis des bidons crevés, des musettes déchirées, le tout marqué au numéro du 125e régiment. Notre première lignée n'était qu'une ligne brisée, avec des intervalles entre sections et compagnies qui allaient jusqu'à 400 mètres. On ne savait si réellement il y avait droit devant nous des Français ou des Allemands. Ces intervalles, plus particulièrement bombardés, étaient absolument intenables. Le soir à la nuit, le sergent Fontes reçut du sous-lieutenant Laurius la mission de prendre avec lui un homme courageux et de partir en avant reconnaître s'il y avait devant nous des sujets de Kaiser ou de Poincaré. Sans équipement, avec le fusil, la baïonnette et deux paquets de cartouches dans notre poche, nous en voilà en route. Un bout de lune nous éclairait. Le terrain était percé comme une écumoire. Par endroits, il était labouré, échancré, bouleversé, comme par un récent tremble de terre. Dans ce lieu, la vie était tuée dans la nature. Nous crûmes perdus au milieu d'un immense désert. Tout à coup, un bruit confus de voix arriva jusqu'à nous. C'était une providentielle corvée de ravitailleurs de mon ancienne compagnie. Le 21, ces hommes nous indiquèrent qu'un trochon de la première ligne était environ à 200 mètres en avant de nous. Eh bien, questionnai-je, avez-vous eu des pertes aujourd'hui? Hélas, nous commençons bien, dirent-il. Le cafeur Cabanel est tué, le sergent Lafleuronci est mortellement blessé, et bien d'autres encore. Au moment où nous arrivâmes, des balles sifflèrent à nos oreilles et un cri, un râle, se firent entendre dans la tranchée.
Un homme venait d'avoir le crâne fracassé par une de ses balles tirées par une mitrailleuse installée sur la pente du Mordom. À peine étions-nous de retour vers la 9h du soir que des rafales de mitraille déferlent sur la côte 304. Au son de cette musique infernale, brisé de fatigue, accroupi dans la tranchée, je m'endormis aussi aisément que, à mon foyer, je m'endormais au bruit des gouttières un jour de pluie. Dans l'après-midi, les batteries allemandes, renseignées sans doute par leur aviateur, offrirent un feu roulant sur la côte 304 pendant 2 heures au moins. Combien de tonnes de projectiles tombèrent sur cette colline? Ces obus, par paquets rasaient, griffaient le sol, sifflaient. Couchés le nez à terre, nous étions terrifiés, déconcertés par cette nouvelle façon d'effrayer et de tuer les gens. Maar eigenlijk als je hierin gaat graven zal je of van die ronde balletjes zien. Ja. Ik ben ook wel eens tegengekomen. Dit is een Duitse handgranaat, zo'n steelhandgranaat. Ja, dat is in de Tweede Wereldoorlog. Zie je, dus hier zit dan ook zo'n houten steel aan. Ja. Met het klipje. Dat is eigenlijk de enige granaat die je fatsoenlijk op kan pakken. Ja. Want dat was een waardeloos ding. Het ding is van blik. En het was meer een brandgranaat eigenlijk dan dat het echt explodeerde. Ja. Dus wat ze ook vaak deden was eentje in het midden en 5 eromheen en dan met een ijzerdraadje aan elkaar om nog iets te doen. Vuurwerk gewoon. Ja. Die zijn gebruikt, maar niet afgegaan. De Duitsers die wilden die top hebben omdat ze Le Mortom aan wilden vallen. Alleen hier stond het Franse artillerie. En ze waren daar dus bij Le Mortom bezig en dat wilde gewoon niet lukken, omdat constant werden ze van rechts beschoten door Côte Triervoor. Okay. Dus nou, gaan we eerst wel naar Côte Triervoor toe, gaan we die vangen en dan Le Mortom. Dat is uiteindelijk ook gelukt. Ze zijn op de berg gekomen, ze zijn nooit eraf kunnen komen. Want aan de andere kant heb je dus het Maasdal met de 3 forten zitten. Nou, ja. Die bestookten gewoon constant die zijkant, dus elke stap die ze eraf deden, dat kwam niet goed. Ja, goed. Ze zijn echt tot op de berg geweest. Ja. La clarté indécise de l'aube, dissipant l'ombre protectrice qui entourait la côte 304. À plusieurs reprises, notre tranchée fut arrosée par des engins diaboliques. On entendait les coupes de départ et les sifflements de vipères de ces petits obus que déjà ils avaient éclatés et leur fumée noirâtre se dissipait. C'était un supplice. Een Frans handgranaatje met een complete slagpin. En, ja, die dingen zijn eigenlijk levensgevaarlijk, dus goed dat we er niet op trapten. Maar die Fransen die pakten zo'n ding en die sloegen dat kapot. Of dat die drukten dat ding, die slagpin in en gooiden het dan. En dan moet je maar afwachten wanneer die ontplofte. Maar dat ligt hier dus nog gewoon in het bos. Dus dit hele stuk, dat hele perceel, dat is nog niemands land. J'étais seul à l'extrémité de notre tronçon de boyaux, recroquevillé dans un petit trou, lorsque un gros obus s'abattit comme la foudre à 3 ou 4 mètres en avant de moi. La violence du déplacement d'air arracha et projeta je ne sais où ma toile de tente et j'ai resté quelques secondes sans pouvoir soulever ma poitrine vidée d'air. C'était le souffle de la mort que je venais de ressentir. On dit qu'il a glacé, je l'avais trouvée brûlante. Triomphant encore cette fois de la mort, je m'ébrouais de mon trou.
Dat is ook echt door. Helemaal ongelooflijk. Ah, journaliste malheur qui affirmiez cyniquement que nos soldats escaladaient la côte 304 et le Murdom avec entrain et furie et en chantant, et dont le chef ne pouvait modérer l'élan. Qui n'étiez-vous là cet après-midi pour assister au lamentable défilé de cette loque humaine? On eût dit un troupeau de moutons qu'on menait à l'abattoir. Ah, si les morts de cette guerre pouvaient sortir de leur tombe, comme ils brisèrent ces monuments d'hypocrite pitié, car ceux qui les y lèvent les ont sacrifiés sans pitié. Qui a osé réfuser son or, son argent, ses papiers publiquement aux emprunts de guerre pour faire durer la guerre? Revenu au sein de ma famille après des années de cauchemar, je goûte la joie de vivre, de revivre plutôt. J'éprouve un bonheur attendri à des choses auxquelles avant je ne faisais nul cas. M'asseoir à mon foyer, à ma table, couché dans mon lit, chassant le sommeil pour entendre le vent heurter les volets, lutter avec les grands platanes voisins, entendre la pluie frapper un offensive au carreau, contempler une nuit étoilée, sereine et silencieuse ou, par une nuit sans lune, sombre, évoquer la nuit pareille passée là-haut, au nord.